デオ体操大吉よーいドン全力疾走いきなり走るのかよおい待てよおいもっと速く私の勝ちだ。Bonjour à tous, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, nous sommes avec Bass & Roll. Bonjour à toi. Tu viens nous présenter donc un survival horror qui est légendaire, qui a marqué l'histoire du jeu. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Alors oui, c'est Resident Evil 2 de Capcom, la suite de Resident Evil 1. Biohazard dans la version originale. Sorti en quelle année alors? En 98, Resident Evil 2. D'accord. C'est l'époque où on gagnait encore des matchs de foot. Tout à fait, ouais, voilà. Ça tient la route. Alors, donc là, tu nous as ramené pas mal de choses. Ouais, j'ai ramené quelques trucs. Alors, le premier épisode de la série, en version Director's Cut, donc il y a un peu plus de violence, une scène d'intro qui a été colorisée et kitsch à mort, qui contient la démo de Resident Evil 2, avec le méchant du jeu. Avec le méchant. Là, j'ai la version Platinum et normal de Resident Evil 2. Sorti sur PlayStation. Sorti sur PlayStation. Parce que derrière, on a encore autre chose. La version GameCube. Voilà. Qui est très, 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 très rare. Qui s'est vendue à moins de 1000 exemplaires au Japon. Et c'est donc sur ça que tu vas faire ton run. Et c'est sur ça que je vais. Ouais. Tu vas nous parler après, donc, justement, des différences. Ouais, il y a quelques différences. Ouais. Ils ont boosté la difficulté. D'accord, ouais. Après, on a donc Resident Evil 3. 3. Que j'ai pris parce qu'il y a un certain passage qui se déroule dans le commissariat de Resident Evil 2. D'accord, ouais. Donc je me suis dit que ça serait sympa de le montrer. Alors on a un bouquin qui a l'air assez intéressant, ouais. Qu'est-ce que c'est? Un ça, bouquin alors, qui est pas connu du tout, qui a dû sortir dans des papeteries ou des trucs comme ça. Ouais. Qui est franchement génial en fait, parce que dessus il y a quasiment tous les objets qui sont décrits. Et ils te disent cet objet là, où tu le trouves, dans quel endroit du jeu. Et c'est la solution complète. C'est la solution complète, ouais. Des scénarios A, je crois, je suis plus sûr. Enfin bon. Dans un format assez fun. Ouais. Et enfin, on a une manette assez bizarre. Assez bizarre, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est une manette Resident Evil 2. Ouais. Ouais. C'est écrit sur le côté. Ouais, d'accord. Ici, ouais. Voilà, donc les boutons étaient redisposés de manière à ce que, ici, t'as l'impression de tenir un flingue. D'accord, avec la gâchette. Avec la gâchette. Ici, ça fait un peu penser à un truc de moto, tu sais, vu que Claire est ouais, moto. D'accord, ouais. Ah, si on cherche un peu. Une croix un peu rigide à mort qui te pète le pouce quand tu joues. D'accord. Et qui te fait très mal quand t'as un ongle incarné. Donc c'est plus un bel objet qu'un objet vraiment pratique. En plus, il ne marche pas sur les autres épisodes de la série. D'accord. Même avec un adaptateur. Est-ce que c'est plus ergonomique que la manette tronçonneuse de Resident Evil 4? Excellente question. C'est kiff-kiff. On va dire que c'est kiff-kiff. On va dire que celle de Resident Evil 4 est mieux parce que quand tu te balades dans la rue avec, les gens se barrent. Ça marche. On va dire ça. Donc parlons de ton run Resident Evil 2. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Donc c'est un speedrun. Alors c'est un speedrun single segment au mode de difficulté le plus élevé. Le plus élevé, ouais. Donc tu ne sauvegardes pas du tout pas d'un bout à l'autre du jeu. Voilà. Il y a un système de scénario dans le jeu. Qu'est-ce qu'on va voir là? Alors on va voir Léon A. Léon A. C'est-à-dire la partie de Léon, le tout début. D'accord. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Et on est parti. Et on est parti. Et on est parti. Allez. Scénario de Léon. Alors, est-ce qu'on va voir les cinématiques complètement impressionnantes en images de synthèse? Alors, qui changeait beaucoup de l'époque. Malheureusement, hein. Non. Parce que dans la version GameCube, on peut zapper les cinématiques. Ça, c'est le premier détail de gameplay c'est assez le premier important, détail. Voilà, stop. Parce que ici, les zombies là que tu vois, ouais. Au début, là où il y a le feu et tout, ouais. Dans la version Jap, ils sont sur le trottoir. D'accord, donc facile à éviter du coup. Voilà, et les deux zombies qui étaient là, bah, ils y sont pas non plus. D'accord, donc il y a tout de suite, dès le début du jeu, quand même beaucoup plus de zombies. Beaucoup plus de zombies. Mais alors comment ça se fait que la version soit quand même... C'est tout le jeu comme ça qu'il va y avoir beaucoup plus de... Dans quelques passages, ouais. Parce qu'en fait, j'ai lu sur une certaine encyclopédie en ligne que la version américaine, en fait, était louée. Dans des vidéoclubs, des trucs comme ça. D'accord. Ouais. Et donc, comme on n'achetait pas leur jeu, Capcom, ils ont dit, les Américains, on va leur booster le jeu. On va leur mettre des zombies en plus et tout. Et donc, voilà. Très bien. La version européenne étant la même que la version US, on a le même jeu. Ça tient la route. Voilà. Alors, là, t'es passé par l'armurerie. Normalement, on peut avoir un fusil à pompe. On peut avoir le fusil à pompe, mais ça implique que je ramasse des munitions. Ah oui. Et que je tue les zombies et tout ça. Parce qu'en fait, le mec s'est fait bouffer. Et après, tu prends le fusil à pompe si tu tues les zombies. D'accord. Ça me fait perdre du temps. Donc, ça va être un peu long, un peu fastidieux. Voilà. Là, on passe vite fait, tout ça. Donc là, quand on joue avec Claire, là, on passe pas exactement par cet endroit-là, si, en fait. Avec Claire, au début, tant que c'est le scénario A, c'est le même cheminement à peu d'accord, près. D'accord, ok. J'expliquerai où c'est différent. Ouais, bien sûr, ouais.
Voilà. Et là, il y a une autre différence aussi. Mm-hmm. Le zombie avec son pantalon bleu, là, ouais. Et ben, dans la version Jap, il n'y est pas. D'accord. Donc ça demande de zigzaguer encore un voilà. peu plus. Et même lui, là, dans cette partie-là, je me suis fait choper, mais d'habitude, tu passes direct. Et... Est-ce que c'est se faire choper et mordre comme ça, c'est grave ou, Bah, ça te fait perdre un peu de temps, mais sinon, ouais, tu perds un peu de santé quand même. Ouais. On peut se faire mordre comme ça combien de fois avant que d'être vraiment critique? Alors, si on bourrine la manette pour se faire détacher, on va dire 5 fois. 5 fois, oui. C'est assez large quand même. Ça c'est va, assez large, ouais. ouais. Mais après, tu te mets à boiter, donc t'es un peu lent. Ouais. Et sinon, si tu bouges pas, au bout de 3 fois, t'es mort. Mmh, d'accord. Là, chose intéressante, le zombie qui rentre par terre, je suis obligé de le tuer. Ouais. Pour pas perdre de santé. Et là, donc 3 balles, 2 balles, je peux passer. Et c'est 5 balles de flingue. C'est les seules balles de flingue que je vais utiliser de tout le run. D'accord. Après, tu vas utiliser d'autres armes. Oui, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Deux autres armes. Deux autres armes, d'accord. Et là, après, donc, tu vas faire que de l'esquive, du coup. Ouais. Ok. Mais là, non, c'est vrai que vu que c'était un couloir, tu pouvais pas vraiment faire ouais. autre chose. Là, j'ai de la chance parce que d'habitude, je me fais choper ici à chaque fois. Ah ouais. Chaque fois. Mais ouais. c'est ce que j'allais dire, au niveau de la caméra, vu que c'est quand même des plans, c'est un système de caméra ouais, ouais. qu'on voit plus trop dans les jeux actuels. C'est dommage d'ailleurs. C'est pas facile de se diriger au début, de se repérer dans l'espace quand même. Bah. C'est... Quand t'as fait le jeu 80 fois, oui, bah... moment, tu commences pas à le connaître. Hein. C'est sûr. Ouais. À peu près 80 fois, ouais, tu t'es. Non, stream... peut-être pas 80, mais. Un bon paquet de fois. Environ 60 à 70 fois. D'accord, ouais. Faut ce qu'il faut pour faire un bon run. Ah ben. Eh oui. Et nous voici dans le commissariat. Le commissariat, oui. Le lieu magique. Donc là, pareil, il y avait une petite cinématique, là, je crois, normalement. Ouais, bah en fait, on va juste faire. Et c'est tout. D'accord. Il lève la tête et puis. Et c'est fini. Très bien. Voilà, donc là, il y a une scène que j'aime bien aussi, mais que j'ai dû zapper pour les besoins du run. Mm-hmm. En fait, tu vois un pote à toi qui est par terre et qui dit « Ah, ça, les survivants, tout ça mm. !» Et j'aime bien cette scène, mais il fallait la zapper pour le run. D'accord. Mais de toute façon, il me semble qu'on va le revoir après, ce pote, oh, et ouais. il sera un peu mal amoché. Ouais. Ouais. D'accord. Là, attention de tourner sur le bon côté pour gagner une seconde. Ah ouais, ouais. Carrément, hein. Ouais. Oui, parce qu'on peut parler vite fait du gameplay, vraiment. C'est-à-dire que, quelle que soit la position du personnage, quand on appuie sur haut sur ouais, la manette, il avance. Il va dans la position, sa position à lui ouais. et pas par rapport à la caméra. C'est ça. Donc c'est un peu bizarre au début comme ouais. gameplay. En fait, moi, il y a plein de gens qui trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça tout à fait normal, en fait. Et je pense qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation. Ouais. Bon, allez, il y avait Alone in the Dark au début, donc ouais, bah ouais, les ouais, mecs, ils sûr, sont ouais. pas habitués. Là, je viens d'utiliser la carte que Marvin m'a donnée, ce qui s'appelle Marvin. Et donc j'ai débloqué quelques portes pour pouvoir commencer le jeu, parce que sinon, pas grand chose à faire. Voilà. Le coffre, très très utile. Salle de repos, donc c'est voilà. ça, ouais. Moi dans ce run, j'utilise 2 ou 3 fois maximum le coffre. Ouais. Parce que ça fait perdre du temps d'ouvrir le coffre, ouais. de stocker les objets, la gestion de l'inventaire. Mais niveau gestion inventaire, justement, c'est compliqué. Il y a quand même des trucs, il y a des pièges à pas éviter. J'ai tout millimétré. Ouais, ouais, ouais. d'accord, ouais. Que ce soit les nombres de balles de fusil à pompe, enfin cartouches, pardon. Ouais. Attention. Les cartouches de fusil à pompe, les soins, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où je vais me faire mordre volontairement. Ouais. Parce que je sais que la pièce d'après, il va y avoir un soin. Mmh. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu optimises comme ça voilà. à la fois la prise de risque ouais. et ton inventaire, du coup, que tu charges pas trop. Du ouais. coup, parce que ça sert à rien d'avoir 36 plantes, justement. Et c'est surtout en réserve, que quoi. Quand t'as trop de place, place prise, pardon. Ouais. T'es obligé de retourner au coffre. Ouais, si jamais à un moment t'as besoin d'une ouais. clé, bah t'es obligé de faire des allers-retours et donc, tout. Donc l'astuce c'est de garder tous les objets clés, justement, et des armes et peu de munitions en réserve, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais dans ce genre de partie, tu utilises pas tes munitions, quoi. Mmh. T'évites le plus possible voilà. pour pouvoir tracer, quoi, bien exactement. Sûr. Hein. C'est surtout qu'une fois que t'es à la fin du jeu, si t'as 30 balles de fusil à pompe en réserve, bah, t'en ouais. fais rien du tout. Bah ouais, c'est ça. Donc autant pas les prendre. T'as même pas de bonus en plus, comme dans les vieux jeux vidéo, ou quand tu finis ça ouais, avec pas mal de choses dans ton le truc, là, ouais. ouais, voilà, quand tu scorais, quoi. Mais d'ailleurs, on l'a même pas vu, mais tout à l'heure, il y avait une créature légendaire aussi qui s'appelle le Licker. Le Licker, ouais. Et là, bah, tu l'as même pas, non, tu l'as même pas à moucher. Je l'ai tracé, ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, ils sont assez violents, ils te balancent des... sa langue, là. Oui, c'est ça, ouais, ouais. ouais. Je me souviens. que de bons souvenirs. Ouais. Là, on voit que je vais esquiver un petit zombie, là. Ah, et là, ça va être pas mal aussi. C'est le coup des statues. Le coup des statues, ouais, c'est voilà, la première. Fait, la première vraie énigme. Première du jeu. Vraie énigme, ouais, vite fait. Allez, voilà, on va donc dire. Le truc, c'est de positionner les statues de manière à ce qu'elles regardent la statue centrale, ouais. qui tient le joyau. Mmh. Et donc, il pose tout ça. Voilà, tu peux pas faire vraiment beaucoup plus vite. Non. On a un beau bug de collision. Ouais, j'allais le dire. Non, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, le mec qui tient le fusil à pompe aussi, il y a un bug.
Ah ouais. En fait, si tu veux le tenir comme ça, il le tient comme ça. Ah ouais. Et il a la moitié du pouce qui est dans le canon. En fait. Ah, 1998, voilà, bon, je pense que graphiquement, il était quand même assez... Il était beau quand même. Quand même moi, je trouve qu'il était quand même super beau. Mais je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça, d'ailleurs. Lifting, je trouve ça... Ouais, c'est ça aussi, ouais. Voilà. Sinon, sur PS2, tu pleures. Sur PS1, tu veux dire? Oui, mais comme tout le monde n'a plus la PS1 et qu'ils mettent les jeux de PS1 sur PS2. Mm. Même sur PS3, avec le lifting et graphisme, c'est pas aussi joli que ça. Non. D'accord, ouais. Voilà, donc là, on rencontre Claire pour la première fois dans le jeu. On va lui annoncer que son frère, on le retrouvera peut-être plus. Alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. Voilà. Point de spoil. Donc là, t'as récupéré le fusil à pompe. Le fusil à pompe, ouais. Qui va être l'arme que je vais le plus utiliser dans cette partie. Il y a une raison particulière. Parce que je sais que tu adores les fusils à pompe dans les jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Mais il y a sûrement une autre raison. Il y a aussi parce que c'est une arme qui peut être améliorée plus tard dans le jeu. Ah oui, avec la crosse. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y a un bug que j'expliquerai qui fait gagner un chargeur. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Mm-hmm. Donc là, on pousse la seconde statue. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'as pas fini l'énigme des statues. Non, parce qu'en fait, quand tu déplaces mal les statues et que tu te plantes et tout, tu peux quitter la pièce et revenir ensuite pour arranger. Mais tant qu'une statue est bien placée, ou même les deux d'ailleurs, elle reste en place. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, le joyau est tombé, et puis je le prends pas maintenant parce que ça me fait faire un petit demi-tour. D'accord, donc en fait, c'est quand tu y repasseras tout à l'heure. Quand je vais repasser, je vais prendre le d'accord. Mais ok, d'accord. T'as eu l'idée comment, donc du coup de faire ça, t'as remarqué que c'était plus rapide ou c'était Ouais. Tu t'es chronométré peut-être Non, quand même pas. Non. Voilà. On attend un peu et hop. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, en fait, j'avais vu ça sur un run sur un Speed Demo Archive, donc je me suis dit, c'est pas bête. D'accord, ouais. Est-ce que tu as proposé d'ailleurs ton run à Speed Demo Archive Oui, mais ils ne m'ont pas répondu. Ils m'ont pas répondu. Écoute. Hein. Alors là, c'est un endroit qui est horrible. Parce que à chaque fois, je me fais choper. C'est peut-être fait pour. C'est fait pour. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est fait pour parce que en général, quand tu joues la première fois, tu lâches ta manette. Le chien dans le 1. Ouais. Il passe dans le couloir. Complètement. Ouais. Ben voilà. D'accord. Et là, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait attraper. Bah oui, c'est parce que d'habitude, à chaque fois, je me fais choper. Le liqueur qui est toujours là. Voilà. Voilà. La langue. On a vu le coup de langue. Ouais. Mais du coup, le liqueur qui remplace le hunter d'ailleurs. Ouais. Les zombies, en fait, ils sont toujours au même endroit d'une partie sur l'autre. Donc tu peux apprendre par cœur, du coup, leur déplacement et tout, quoi. Ouais. Contrairement à Resident Evil 3, où on avait des choix alternatifs. Oui, tout à fait, oui. Selon le choix que tu faisais, il y allait avoir des zombies. Très intéressant, ça, ouais. Bah, ça enrichit un peu le truc. Voilà, donc là, on va placer le médaillon de la licorne. Sur la grande fontaine. C'est toujours un petit peu ça, Resident Evil. Ouais. C'est trouver un médaillon pour avoir un rubis qui te permet d'avoir une clé, qui te permet d'avoir. Et c'est super beau parce qu'on on imagine le concierge, le pauvre, le jour. Mais où il a besoin d'une clé et qu'il est obligé de faire 40 actions avant. Mais c'est sympa. Et puis on se posait pas la question en 98, c'est surtout ça. C'est ce qui fait le charme du jeu aussi, c'est qu'il y a des énigmes de partout. Elles sont bien écrites en plus. Mais c'est jamais très compliqué les énigmes. Est-ce que des fois tu restes bloqué ou non? Ça va? Ouais. En général, la clé que tu trouves, elle va ouvrir une porte qui est deux pièces à côté. D'accord, ouais. T'as jamais besoin de tourner pendant des heures. Il y a quatre objets, c'est les prises tour, fou, roi et dame. Ah, tu as vu la petite feinte? Ouais. Ah oui, d'accord. Si tu colles l'angle, il te saute dessus et du coup, il te loupe. D'accord, ok. Enfin, sauf si tu restes planté, parce que forcément. Intéressant. Voilà. On verra que ça marche pas à chaque fois d'ailleurs. Ouais, parce que là le liqueur il est prévu. Enfin là il reste là tout le jeu. Quoi. Ah oui, ouais. Ouais, tant que tu le tues pas, de toute façon il reste là. Là la manivelle. Manivelle qui m'a un peu rendu fou. Ah. Parce que dans les 4 scénarios elle a une place différente. D'accord. À part dans le scénario A, mais c'est-à-dire Léon et Claire dans le scénario A le trouvent ici. Mm-hmm. Mais dans le scénario B, je crois que c'est dans le run de Claire, tu le trouves dans un endroit, tu te dis mais pourquoi ils l'ont foutu là quoi. D'accord, ouais. Genre t'as une petite boîte à bijoux et dedans t'as une manivelle. Ah, c'est pour... C'est peut-être une manivelle qui coûte beaucoup d'argent. Ouais, voilà, il y a peut-être des diamants à l'intérieur, on sait pas. On sait pas. Ouais. Ça tient la route. Ouais. À peu près. Alors les passages, justement, tu disais qu'on peut passer les cinématiques, mais les passages d'ouverture de portes et d'escaliers, on peut jamais les passer. On peut pas les passer. Non. Sauf sur PC. Ah, une version PC du jeu. Il y a une version PC du jeu que j'ai pas parce que sur les PC maintenant, compatibilité, c'est assez fastidieux. Ouais, parce qu'en fait, ces séquences-là servent à masquer les jetons de temps de chargement. Ouais. Et sur PC, forcément, il y a moins ce problème. Quoi.
Par contre, sur le Resident Evil sur DS, le tout premier, tu peux zapper les cinématiques et les portes. Ah ouais, d'accord. Ce qui fait que j'ai fait Resident Evil 1 en 45 minutes. Pas mal, pas mal. Voilà. En fait, tu les as tous rodés, ouais, les jeux, ouais. Ouais. Celui que j'ai fait le moins de fois, c'est le 0 que j'ai fait 2 fois. Ah oui, ils sont pas vrai. Ouais. Mm. Parce que, en fait, le truc, si tu veux faire un bon run, vu que t'as 2 personnages, ce que tu peux faire, c'est en mettre un à un endroit et l'autre au bout du couloir. Ouais, c'est ça, ouais. Et switcher de personnage. Ouais, t'avances plus vite. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois pas le personnage que tu déplaces. Mm. C'est-à-dire que s'il est ailleurs, tu peux pas voir tout ça. Mais ce sera intéressant à faire, mais ouais. Faut du temps. Donc là, t'as récupéré le rubis, là, au passage, ouais. D'ailleurs. Donc j'ai 2 rubis. Ouais. J'utilise la clé. On a bien vu que t'as fait des esquives aussi, ouais. assez précises, hein, au niveau des zombies. Il y aura un moment slalom à la fin du jeu, tu verras. Ouais. Ouais. C'est rempli dans le labo, là. Dans le labo, ouais. Et là, tu vois, il y a 5 zombies, mais dans la version Jap, il y en a 3. Ah ouais, ouais, d'accord. Voilà. Donc quand tu sais pas, ben, forcément, tu les butes. Mm. Il me semble pourtant qu'à cette époque-là, dans les jeux vidéo, c'était souvent plutôt les versions japonaises qui étaient un peu plus dures, justement, que les versions européennes. Alors là... Donc c'est pour ça que c'est assez étonnant quand même de voir... Ouais, mais en fait, selon la version aussi du jeu, t'as pas mal de difficultés, de niveaux de difficulté qui changent. T'as le mode débutant, ouais. T'as le mode facile, t'as le mode normal, et je crois même la version Dreamcast, c'est un mode hard, en fait. Ouais. Mais la version Dreamcast est un copier-coller de la version PC. Mm. Voilà. Ce zombie-là aussi, il y est pas. D'accord, oui. Donc là, du coup, tu... Donc là, je suis obligé de le tuer. D'accord. Et en fait, le zombie qui est là, il est devant l'espèce de truc de bateau, là. Mm-hmm. Le balcon. Ouais, ouais, l'espèce de balcon, ouais. Donc du coup, tu passes devant et tu vois même pas parce qu'il est de dos, en fait. Alors, d'ailleurs, juste un détail, là, j'ai vu que, donc du coup, tu lui as fait sauter sa tête. Ouais. Tu vises spécialement, ouais, avec le... T'es obligé de viser, donc ouais, quand d'accord. Tu vises, tu appuies sur la flèche du haut, il va lever le canon. D'accord, ok. Et quand tu vises vers le bas, il va lui péter les jambes. D'accord, ok. Ça, mais c'est donc, marrant. Donc, du coup, t'as pas besoin, enfin, c'est pas ultra précis au niveau de... de la visée, bah, ça va. Vaut mieux se mettre devant, en fait. Parce qu'il me semble, c'est quoi, c'est avec le magnum, il me semble que magnum, par défaut, dans la tête, par défaut, c'est forcément la tête. Là, t'es quand même obligé d'ajuster. Là, je suis obligé de viser, ouais. Ok. Du coup, à chaque fois, quand tu vas utiliser ton fusil à pompe, à chaque fois, ça sera la tête. Quand il y a qu'un seul zombie, oui. Ou même quand il y en a 2 qui sont un peu à côté, tu vois, tu peux. Parce que le cône, il est assez large. Mmh, bah, c'est ça, c'est l'avantage des deux. Sinon, quand il y en a plusieurs qui sont alignés, vaut mieux viser dans le centre et pouvoir les faire tomber. Quel que soit le jeu, c'est l'avantage des fusils à pompe, de toute façon. Hein, ouais. C'est qu'ils sont très... ils tirent de façon très large. Alors là, l'hélico, il me semble qu'on le voit aussi dans le... On le voit dans le run de Claire, ouais. Il me semble. Hein. D'ailleurs, dans le scénario de Claire, on peut le faire exploser. Ouais. Là, on voit que j'ai pris un tout petit raccourci. Ouais, donc faut le faire exploser pour justement avoir le nouvel embranchement, quoi. Mm. Ce qui fait que Claire rencontre le chef de la police de Raccoon, ouais. Qui est en fait payé à mort par Umbrella. Ah oui. Voilà. Et donc Léon rencontre Ben, que Ada cherche. D'accord. Ada qui est aussi dans Resident Evil 4. Qu'on revoit après, ouais, bien ouais. Sûr. Ouais. Et qui est aussi un code dans le premier Resident Evil. D'accord, un code... Ouais, un code d'ordinateur. Ah, parce qu'en fait, oui. T'as une porte à ouvrir. D'accord, oui. Et tu accèdes à l'ordinateur de John. Ouais. Et donc ouais, tu tapes login John et mot de passe c'est Ada. Bah, je pense que c'est une référence. Parce que, alors, je me trompe peut-être, mais je crois qu'en fait, la première programmeuse informatique de l'histoire de l'informatique s'appelait Ada, justement. Ah. Et je crois que c'est une référence à ça, en fait. Peut-être. Donc, ça me fera demander à Cyril Lambin. Ouais. Donc là, moi, je me suis fait mordre malgré moi. Ouais. Donc au lieu de me soigner tout de suite, je préfère utiliser mon herbe en ouvrant une seule fois mon inventaire. D'accord. Donc là, je fais d'une pierre 2 coups. Bah oui, voilà, tu vas mettre la manivelle et voilà. Te soigner en temps. Parce que tu cours beaucoup moins vite quand t'es touché. Tu cours même. Beaucoup moins vite, ouais. Et surtout, tu risques de crever au bout d'un petit moment quand même. D'accord, oui. Enfin, si tu te fais remordre. Parce qu'en fait, il y a plusieurs altérations d'état. T'as OK, qui est le top du top. Ouais. T'as faible jaune, faible rouge et danger. Alors d'accord. Quand t'es en danger, le mec il est par terre. D'accord. Tu te sers du fusil à pompe. Mais tu perds pas ton sang au fur et à mesure non. Et à un moment tu vas pas mourir comme non, ça. Non, pas comme dans certains Resident Evil Outbreak. Ouais. Eh ben oui, voilà. Voilà. Et t'as aussi un état de poison. Ouais. Qui te. Là par contre, tu bouffes ta vie. Ouais, c'est ouais, ça. Qui ouais. Te bouffe ta vie petit à petit. Donc c'est quelle herbe qu'il faut justement La bleue c'est pour le poison. Ouais. Et que tu peux combiner avec la verte, tout ça. Ouais. Tu vas faire des mélanges d'herbes d'ailleurs dans celui-là ou... Je sais plus. Il me semble que non, mais. Alors là, qu'est-ce que tu récupères? Là, je récupère la clé carreau. Encore une autre. Là, on utilise les deux rubis qu'on a récupérés. Mm-hmm. Pour obtenir une autre pierre, je suppose. Pour obtenir, non, une prise fou.
prise fou. Attends, je crois que c'est la prise fou. On va voir ça. Ta-ta-ta-ta-da. Prise roi. Ah. Mais qui n'est pas le roi des fous? Oh oh. Donc là, t'en as combien, là, du coup, des prises? Alors, il y en a 4. Là, je vais récupérer la première. Là, t'as la première, d'accord. Ouais. Donc là, t'avances quand même assez vite, hein, la première fois qu'on joue au jeu. La première fois, ouais. Là, en fait, on finit le jeu en quoi? En 8 heures, à peu Alors, près? Alors, en fait, c'est mon premier jeu de PS1, celui-là. Ouais. Ce qui fait que la première fois que je l'ai fait avec mon père, on a mis 3 semaines. D'accord. Donc, rang E. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, 50 000 sauvegardes. Ouais, voilà. Mais c'est normal, c'est notre premier jeu console. Ouais, donc, ouais, bien sûr. Voilà. Au début, c'est pas une évidence, les survivants et l'horreur, putain, quand même, au début, c'est dur. C'est hein. qu'on a mis une semaine pour trouver comment courir. Ah oui, d'accord. On a sorti le ch***ni quand on a quand on a su comment courir. Il faut lire le manuel aussi. Eh oui, mais alors... on n'avait pas le manuel en plus. Ah, bah alors. Ouais, jeu d'occasion. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, à peu près, pour une partie normale, on va dire, pour un joueur normal, lambda, c'est 12 heures si ouais. si titille un peu. Le temps de bien explorer et tout. Ouais. Après, s'il connaît un peu la série, il va mettre 6 ou 7 heures. D'accord. Voilà. Mais là, c'est vrai que rien que pour en arriver là, parce que mine de rien, tu cherches quand même un petit ah oui, peu. Oui, ah oui, quand tu cherches, tu marches et par tout. Par exemple, t'arrives dans la salle d'archives pour chercher la manivelle, c'est ouais. pas une évidence qu'elle est tout au ouais, fond, ouais. donc tu voilà, puis forcément. T'as même pas idée que tu peux pousser le truc, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Parce que moi, c'était mon premier jeu, donc de savoir qu'on pouvait pousser des éléments. Qu'il y a de l'interactivité avec exactement. Le décor, quoi. Ouais, ouais, ouais. Dans Sonic, tu peux péter des télés, mais là, tu pètes rien du tout. Là. Mais elles clignotent, donc ouais. tu sais que tu peux les péter. Alors que là. Bah là, justement, les clés clignotent. Ouais, c'est ça, et brille en fait légèrement, voilà. quoi, c'est ça. Et là, tu vois, j'ai essayé de faire ah, ma feinte, mais. Ouais, ouais. Il a pas toujours les mêmes patterns d'attaque, en fait, j'ai l'impression. En fait, tu peux te sauter dessus. Ouais. Il peut te donner un coup de langue. Et il peut te. Griffe par terre. Aussi, ouais. ouais. C'est ça, ouais. Coup de griffe par terre. Mais il peut pas même te décapiter d'un coup, il me semble. Non, ça, c'est le Hunter dans Resident Evil ah, oui. 3. D'accord, ouais. Le Hunter Gamma, qui s'appelle. Mm. Ils sont tout modifiés et tout. Ouais, ouais, ouais. Dans le 1 aussi, je crois qu'il t'arrache la tête. Il t'arrache la tête d'un coup, ouais. Dans le 0, t'as des grenouilles qui t'avalent carrément. Très sympa, ça, ouais. C'est super marrant, mais quand ça fait 2 heures que tu joues, que t'as pas sauvegardé, tu... Alors, là, t'as attendu un petit peu, c'était justement ouais, pour que qu'elle le... passe. D'accord, ouais. Pour que le zombie avance. Donc ça, pareil, c'est parce que t'as rodé et tu sais, ouais, que, voilà. tu sais que la partie d'après, ouais. ça sera pareil, quoi. Là, je tue les zombies, mais j'ai vu un run où le mec passe. Je sais pas comment il fait. Dans cet espace-là? Ouais. Il arrive à passer, alors... Là, celui du côté, là, il a failli en plus te prendre. Ouais. En fait, là, il se jette sur toi au dernier moment, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, quand t'es proche des bras, il vaut mieux se barrer, quoi. Mm. Là, je vais prendre l'herbe. Ouais. Pourtant, je suis en parfaite santé. Mais tu sais qu'après, tu vas te faire... Voilà. Mm. Parce que là, on retrouve notre ami Marvin et... Ah, Marvin. Et il mute devant nous. Et... D'accord. Très triste. Voilà. Et là, quand tu reprends là, t'es obligé de te faire... Ouais. D'accord, donc là si t'es déjà pas bien quand t'arrives devant lui, bien, tu, bah, tu t'es mal. Ouais. D'accord. Ouais. Alors non, il y a des possibilités aussi de pouvoir l'esquiver un peu, si ouais. t'arrives vite à te barrer. Je suis arrivé à faire ça en mode débutant, parce que je me suis entraîné un peu pour voir la différence entre le mode débutant. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour comparer tout ça. Et en fait, en mode débutant, j'ai mis ma vidéo sur YouTube, je lui cours autour, carrément. Ah d'accord, ok. Donc, voilà, apparemment il y a aussi des problèmes d'IA dans la version débutant. Ouais, mais ça c'est un petit peu inhérent à ce genre de jeu aussi. Ouais. Hein. Tu commences, t'as une mitrailleuse dans l'inventaire. En mode débutant? Ouais, et ouais. t'as le lance-roquette dans le coffre. Bon, ça va, c'est pas trop... Mode débutant. Ouais, ouais. Mais c'est bien, il en faut pour tous les jeux. Oui, bah oui. Bah, moi j'ai commencé par là. Là t'arrives dans une autre partie ouais. du commissariat, justement. Une autre partie... Où justement, là, comme je te disais, tu vises au milieu ouais. et tu butes les zombies. D'accord, oui. Bon, là, je suis pas arrivé à tous les avoir. En une cartouche, ils sont à terre, en fait, hein, avec le fusil. En fait, ça dépend de la distance. Normalement, c'est 2 cartouches de fusil à pompe. D'accord. Une seule si tu tires dans le dos. Il y a un truc que j'arrive à faire aussi, quand tu sais bien évaluer les distances dans ce jeu. Mm-hmm. Là, je me suis fait mordre. Du coup, je boite un peu. Pourquoi t'es revenu dans l'inventaire, là, du coup Ouais, mais j'ai plus de plantes. Tu pensais avoir une plante, ouais, ouais. éventuellement. Mais j'en ai plus. Donc là, je vais un petit peu. Boiter. Mm. Qu'est-ce que je disais déjà oui, si tu évalues bien les distances, tu peux ouais. découper le zombie en deux. D'accord. Et c'est marrant parce qu'après tu le vois ramper par terre et tout. D'accord, et tu vois les autres jambes d'un autre côté en train de marcher tout seul. Ah, ça, c'est ce genre de détail à l'époque ouais. qui faisait que, quand même, quoi, c'était quelque chose. Hein. Ce jeu. Bah, déjà, rien que le fait qu'il commence un peu à se tenir le bide quand il s'est fait mordre. Ah, ouais, ouais. Il y a une crédibilité en fait. Oui, parce que dans le 1, il n'y avait pas ça en fait. Très plaisante, ouais. Ouais. Dans le 1, tu peux être à 2 doigts de crever, le mec il court va, ouais, tranquille, voilà, il court normal. Puis d'un coup tu crèves, tu fais merde. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors là, on voit les vitres qui sont cassées parce qu'en fait, à un moment, on peut trouver un câble ouais. qui répare le volet de... des portes. Ouais. Parce qu'à un moment du jeu, à un moment donné du jeu, t'as des zombies qui vont rentrer par là. Ah oui, d'accord. Donc tu peux. Là, ce chien, t'as 99,9999999% de te le prendre dans la tronche. D'accord, ok. Voilà. Ils ont l'air assez agressifs, mais il y en avait beaucoup là en plus. Oui, il y a trois chiens. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce même couloir, plus tard, il y a deux liqueurs. Et combien il y en a dans la version Jap? Un seul. Ah ouais, normal. Alors, c'est qui tire dessus? C'est Ada. Parce que avec notre uniforme, elle nous a confondu. Alors qu'il y a que Léon qui est habillé comme ça. Parce que t'as remarqué. Bah ouais, les autres flics n'étaient pas du tout comme ça. Mais c'est peut-être un super flic de la police, tu vois. En fait, c'est parce que dans la version bêta de Resident Evil 2, ouais. qui est très connue sous le nom de Resident Evil 1.5, il ouais. y avait des zombies qui avaient la tenue de Léon. Ah d'accord, ok. Voilà. Du coup, ça a été changé après. Ça a été changé. Mmh. C'est son premier jour d'ailleurs à Léon dans la police. D'accord, ok. Sacré premier jour, hein. Ouais. Sacré premier jour, et surtout il tient son rôle super à cœur parce que pour séduire Ada, il lui dit « mais je ne fais que mon travail ». Ah là là. Ah là là. Normalement, dans un film d'action, ça serait plutôt un vieux papy deux doigts de la retraite qui dirait oh, « un jour de la retraite voilà. », tout ça. Alors. Donc là, on a rencontré Ben qui ouais. ne veut pas sortir de la prison parce que on entend William Birkin, mm-hmm. le créateur du virus G, et était d'ailleurs, ouais. qui s'est injecté le truc. Le virus pour protéger sa création. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a les UBCS qui veulent récupérer le virus. Du coup, il va se muter en quelque chose assez bizarre. Alors juste, tu peux peut-être rappeler pour ceux qui n'ont jamais joué quand même à la série Resident Evil, c'est quoi le virus G? Alors le virus T, c'est celui qui... C'est, à la base, les virus, c'est des armes bactériologiques. Ouais. Donc c'était à des fins politiques pour la guerre. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Des armes bactériologiques, voilà. Ouais. Donc... Ça, c'est le virus T, qui sert d'ailleurs à faire le virus tyran. D'accord. Parce que T, c'est tyran, en fait. T pour tyran, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, c'est grâce au virus T qu'on a ce bonhomme-là. D'accord. Et le virus G, c'est une évolution, en fait. Le virus est beaucoup plus puissant. D'accord. Et en fait, on le voit dans une cinématique que j'ai malheureusement zappée. Bah oui. C'est une des plus belles cinématiques du jeu. Ah oui. Si ce n'est de tous les jeux vidéo. Ah oui. Ouais. Dans ce Resident Evil 2, donc Ouais. Où tu vois William, justement, se faire. Tirer dessus et pour survivre, il s'injecte le virus. Le virus, ouais. D'accord. Voilà. Donc là, je suis obligé de rentrer dans cette pièce et ressortir directement. Ah oui, pourquoi? Parce que normalement, c'est dans cette pièce-là que tu as la porte où il y a les prises. Donc tu poses les prises et une fois que tu ressors, il se passe quelque chose parce que tu n'as pas toutes les prises. Ah ouais, d'accord. Et en fait, le seul truc qu'il faut là, c'est entrer et sortir. Hmm. Là, il y a un petit conduit d'aération, donc il fait passer Ada. Fait passer Ada. Il en profite pour lui mater la culotte, je pense. Oh là là. Mais non, regarde, elle a des collants, donc ça va. Ouais, mais bon. Ah, ok. Alors juste, par contre, on a vu les araignées tout à l'heure, tu les as esquivées, elles sont pas dangereuses, ça va Elles sont assez imprévisibles. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, elles peuvent te foncer dessus. D'accord, ouais. Donc, poison, tout ça. Et elles peuvent aussi te cracher du venin dessus. D'accord, ok. Mais elles sont assez lourdes, j'ai l'impression, à se bouger, donc ça va. Mais une fois qu'elles se déplacent... Donc là, tu contrôles Ada carrément. Ouais, là je joue avec Ada. Pour juste un petit moment du jeu, donc. Ouais, c'est très court. Donc là, on peut voir qu'on on pousse des caisses. Ouais. Parce qu'en fait, on va activer de l'eau. Et ça va faire un pont en fait. D'accord. Il y avait l'ennemi similaire dans le 1 aussi. D'accord. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé de pousser jusqu'au bout les caisses. Ah oui, tu les mets juste pour avoir un mini passage, mais pas besoin. Ben en fait, une fois que l'eau est mise, les caisses vont s'aligner en fait. D'accord. Mais il faut faire gaffe parce que des fois. La caisse est pas assez bien poussée, donc du coup tu actives l'interrupteur pour rien. Alors une question à propos du gameplay là qui me taraude. En fait je vois que quand t'as des demi-tours à faire, voilà tu prends vraiment le temps de faire des tours. Il y a pas une touche ou une manipulation qui permet de se retourner d'un coup, comme dans Silent Hill par exemple. Dans Resident Evil 3 ils ont changé le truc. Ouais. Dans Dino Crisis aussi. Exactement. Dino Crisis il a une série de Capcom aussi que j'ai bien rodé aussi. Ah ouais. Surtout le 2 Ouais, très bien. Ouais. Voilà et donc sur Dino Crisis tu fais carré et flèche en bas et Regina se retombe. D'accord. Ouais. Et dans Dino Crisis 2 t'appuies sur R2 et là t'as Dylan ou Regina qui se. D'accord. Alors que là par exemple. Alors que là t'es obligé de sortir de même. D'accord. Ouais. Sinon clairement tu l'aurais fait ça va de soi. Mais bon. Tu regagnais 2 secondes. Mine de rien, ouais. Et au bout d'un moment, ça fait des secondes. Au bout d'un moment, ça fait quelques minutes, ouais. Voilà, donc là, Adam a envoyé la clé trèfle. Ouais. Dernière clé du commissariat. D'accord. Et si j'avais pris le chemin, si t'avais un autre chemin où t'avais un petit ascenseur et tu pouvais prendre l'ascenseur et tu trouvais des balles de fusil à pompe. Ouais. Et bon,
Là, t'es bon au niveau de tes munitions ou Je gère. Ouais, tu gères. J'ai ce qu'il faut. Oula. Ouais, c'est ça le genre de truc que je te disais. C'est l'attaque kamikaze là. Ouais. D'ailleurs, tu te fais toucher, t'es empoisonné. D'accord. Ouais. Mais là, t'as bien allongé le mur, du coup. C'est pour ça que des fois, je me prends un peu le mur. Je préfère raser le mur, me freiner un peu et pas prendre de dégâts. Et te freiner un peu, ouais. Parce que là, on est un petit peu avancé dans le jeu, donc. C'est un peu bête de tout recommencer, quoi. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, là, si tu te fais empoisonner, t'as pas spécialement d'herbe bleue dans ton inventaire. Dans cette partie-là, non. En fait, on en trouve à partir du moment où t'es dans les égouts. D'accord, oui. C'est dans pas très longtemps, d'ailleurs, les égouts. Hein. Sinon, ouais, il y a des cellules. C'est une prison, en fait. Ouais, bien sûr, oui. Et dans une des cellules, t'as des herbes bleues. D'accord. Donc là, tu reviens, du coup, dans le commissariat. Parce que tu te souviens le couloir où j'ai buté les zombies, là? Ouais. Voilà, et bien en fait, il y a une porte au fond. D'accord. Où tu vas pouvoir mettre tes clés. Bah, toujours là, t'en as un. Qui t'a donné un deuxième. Un petit coup et un deuxième, ouais. Ce qui fait que, voilà. Et là, du coup, tu te sens pas bien. Là, je déverrouille la porte, mais je rentre pas. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser la clé, la dernière fois que tu vas l'utiliser, le jeu va te proposer de la jeter. Ah oui. Donc ça libère une place dans l'inventaire. Et ça te fait gagner un peu de temps, parce que de toute façon, est-ce que t'es vraiment obligé de rentrer dans cette pièce-là? En fait, c'est une salle de flip intensive. De flip. Ouais, fait vachement stressé. De peur. Ouais. Non, je pensais que c'était une salle de jeu. C'est une salle d'autopsie. D'accord, ok. Et au moment où tu es devant l'armoire et que tu dois prendre une carte, t'as un tiroir qui s'ouvre. D'accord. Et une fois que tu ressors, t'as tous les zombies qui se lèvent et tout. D'accord, ok. Voilà. Et là, je viens de prendre l'arme la plus belle de ce jeu. La plus belle, le Magnum. Selon toi, le Magnum, qui est très très puissant, qui vise la tête directement. Qui vise la tête directement, ouais. Et là, on voit que j'hésite un peu à prendre les munitions ou pas. C'est lesquelles? Ah oui, les cartouches. Voilà. Donc. Mais vu que j'ai 5 balles en réserve et 2 dans le. Voilà. C'est peut-être un peu. On va voir avec combien de munitions tu finis le jeu, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus safe d'aller de temps en temps 5 secondes pour prendre des munitions. Ben en fait, si tu sais que tu vas pas t'en servir, tu les prends pas. D'accord, oui. Parce qu'ils se baissent, tu rentres dans l'inventaire. Ouais. Bon, ça fait perdre 5 secondes, mais. Si c'est ça ou se retrouver bloqué à un moment, ça vaut peut-être plus le coup quand même. Mais bon. Voilà. Quand t'es dans une optique speedrun, tu fais le plus vite possible. Bah après, ça dépend s'il y a une part de hasard aussi. S'il y a vraiment des passages où t'es pas sûr de toi à 100%, où tu risques de te faire choper et où tu vas être obligé justement de. D'où les sessions d'entraînement. Eh oui. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que de toute façon, que tu me disais que les zombies sont toujours au même endroit. Ouais, théoriquement, en bossant, ça devrait aller quoi. Ces portes. J'en peux plus. Ouais, je trouve que ça rajoute quelque chose à l'ambiance. Ouais, en plus dans le Code Veronica, il y a des passages où quand tu ouvrais les portes, t'entendais les battements de cœur du personnage. Ouais, exactement. C'était super bien fait, je trouve. Des fois, t'entends aussi les bruitages de la salle d'après qui commence ici. Donc tu sais à l'avance s'il va y avoir des zombies ou pas. Il y a une scène aussi dans Resident Evil 2. Ouais. Tu te souviens là où j'ai pris la manivelle? La manivelle, ouais, bien sûr. Il y a une porte au fond. Et en fait, si tu ouvres cette porte, tu vois 2 zombies qui arrivent. D'accord. La première fois que j'ai vu cette scène, j'ai flippé, mais à mort. J'ai flippé. Parce qu'en fait, c'est de là que vient Claire dans le scénario B. Ça. Ça surtout, Ça fait peur aussi. Voilà. Première fois. Et sur cette table-là, on a vu un spray. Ah oui, alors je vais expliquer les sprays. Ça te redonne toute ta vitalité. D'accord, Mais ça te soigne pas du poison. D'accord. Et les sprays, si tu en prends plus de 3, ça te baisse ton ranking final. D'accord, ok. Voilà. Parce que là, donc, tu vises un ranking au final. Tu vises quoi, en fait? Le rang A. Le meilleur, ouais. Ouais. D'accord. Alors, dans la version japonaise, le meilleur rang, c'est le rang S. Ouais. Mais dans la version européenne et américaine, ça correspond au rang A. D'accord. Donc là, tu cherches à finir donc, le jeu le plus vite possible avec le rang. Avec le rang A, c'est-à-dire... Le plus élevé. Parce qu'en fait, tu peux faire 3 sauvegardes. Ouais. Ou 6 sauvegardes si tu utilises pas de spray. Mm-hmm. Mais bon... Moi, je voulais tout faire le plus vite possible. Le plus speed possible. Le plus speed et voilà. Enfin, j'aurais pu faire le plus speed possible, mais utiliser un cheat pour avoir le Magnum illimité dès le début. Et voilà, j'ai voulu m'imposer des petits challenges petit à petit. Bah après, tu peux jouer en New Game Plus ou avec des challenges et tout, mais c'est juste qu'il faut le préciser, quoi. Voilà. À chaque fois, il y a des catégories de speedrun qui correspondent de toute façon à des, à des sessions, mais c'est retourné d'un coup, en fait. Ouais. Là, celui qui était là, j'ai bien fait de le tuer parce que sinon. Là, tu l'aurais revu, du coup. Les corps disparaissent d'ailleurs.
Et là, tu te soignes pas, il y a une raison à ça? Parce que j'ai pas d'herbe. Ah ouais, d'accord. Il y en a une juste là. Donc là, t'en prends une, ouais. Et en fait, si le zombie m'avait pas chopé, tu sais, celle qui s'est retournée, ouais. Je serais pas en faible rouge, là. J'aurais été en faible, et du coup, j'aurais pu être en roquet. Ouais, parce que là, du coup, tu te retrouves en faible jaune, là. Ouais, et du coup, je perds un peu de temps parce qu'il boit tout seul. Mais bon. Est-ce qu'il y a des techniques spéciales de déplacement pour aller plus vite? Il y a des bugs, des glitches, des trucs non. comme ça? Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Ouais. Après, moi, c'est une partie sans glitch, sans quoi que ce soit. Donc, ouais. J'ai vraiment joué comme un mec qui commence le jeu, ouais, voilà, ouais. qui n'a aucune connaissance en speedrun, qui n'a même pas l'idée des glitches et tout ça, ouais, donc, ouais, des sûr. Bugs. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont clairement buggés, donc on peut jouer avec. Resident Evil 2, toi, t'as déjà vu justement des problèmes, par exemple, de collision qui permettent des fois de passer d'une salle à d'une autre comme non. ça. Par contre, il y a un truc assez sympa, ouais. c'est qu'il y a des plans de caméra où si tu te positionnes bien avec le fusil, ouais. si tu tires, tu vois un impact de balle sur la caméra. D'accord. C'est assez sympa. Mais c'est fait exprès, du coup? Oui, c'est fait exprès, c'est voulu, ouais. C'est vachement sympa, ça. Ouais. Bon, je l'ai pas fait parce que ça fait perdre du temps. Ouais, mais une munition. J'aurais bien aimé le faire quand même. J'aurais bien aimé le faire. Un petit speedrun, c'est pas forcément utile. Alors, où est-ce qu'on arrive là maintenant? Alors là, on arrive au vers les dernières prises. Bientôt la fin du commissariat. Bientôt la fin du commissariat, donc. Et là, on va voir que... Là, c'est vrai que là, en temps normal, là, on est déjà à 4-5 heures de jeu uniquement dans le même lieu, à savoir le commissariat. Ah oui, quasiment. Ouais. Donc là, ouais. on commence à se dire, bon, c'est un peu redondant, cette histoire. Ouais. Qu'est-ce que surtout la suite quand tu sais pas comment courir. Ouais. Et là voilà, les zombies qui étaient dans ce couloir ont disparu. D'accord. Ils ont laissé place à un liqueur. Que si jamais t'as de la chance, tu l'évites. Ouais, et là voilà. Et là il m'a affaibli, ça m'a franchement énervé. En même temps, on ne voit pas très bien. On voit pas bien, ouais. Bon. Quand on connaît le jeu, c'est impardonnable. Donc ça fait partie des erreurs que t'as faites dans ouais, ce voilà. run, que t'estimes peut-être plus. Ouais. D'ailleurs, est-ce que dans ce run, sur la totalité du run, il y a des grosses erreurs que tu te dis. Quand même, là j'ai perdu 5 secondes, voire plus, t'as 30 secondes, des non, techniques. 30 secondes non, mais des trucs où j'ai perdu 3-4 secondes, ouais. Tu penses que c'est améliorable quand même, ouais. comme run sur le. Mais de pas beaucoup. Ouais. Paf. Là aussi, tu sursautes. Ouais, au tu début. Flippes, ouais. Parce que la musique est très douce en fait, ouais. de la bibliothèque. Et d'ailleurs, d'un coup, les musiques de Resident Evil sont vachement sympas. Ah bah oui. Mais ça ne vaut pas. Notre cher Akira Yamaoka. Ah, sur sa lentille, tu veux dire? Ouais. Ah, ça. C'est pas le même genre, c'est plus. Ouais. En fait, c'est plus psychologique, Silent Hill. Ouais, c'est plus de la musique d'ambiance, ouais. vraiment très profonde, quoi. Puis bon, Yamaoka. Ah. Mais les CD de remix orchestraux de Resident Evil sont vraiment très bien. Jamais entendu. Ah, ils sont vraiment sympas. Donc là, t'as changé la position des ouais. bibliothèques. C'est une énigme tout quoi en fait. D'accord. En fait, t'as juste un petit tableau à côté de toi ouais. qui te montre les bibliothèques, comment elles sont placées. D'accord. Et t'as juste à déplacer les deux dernières bibliothèques du fond vers la droite et d'accord. le panneau. Rien de bien méchant. Non. Elle était tout en haut là du commissariat. Ouais. Donc. Et là, on va utiliser notre fameuse manivelle. Oh. Qui sert à faire descendre des escaliers. Mmh. C'est pas tout à fait logique d'un côté. On sait jamais, hein. Peut-être, bon, peut-être que dans les années 90, les commissariats ouais, étaient bidouillés un peu bizarrement, avec les systèmes d'horloge comme ça. Super gros engrenage d'ailleurs. Ouais, bah ouais, ouais. On se croirait dans. Dans le. Je sais plus quel film est sorti là. Dans Benjamin Button, non? Ouais, mais. Ouais, au début, il fait des. Bon, bah, l'horloge. Et là, le truc qui est bien, c'est qu'il y a un petit raccourci. Ouais. Tu prends la prise, et là, tu sautes dans le conduit d'aération. D'accord. Chose que ne peut pas faire Claire. Ah, donc pourquoi? Il y a une raison ou... Parce qu'elle passe pas par là. D'accord. Elle va pas dans ce grenier, tu veux dire ou... Si, elle va dans ce grenier, mais. Ah oui, d'accord, voilà au sous-sol en fait, ouais, hein, directement. Ouais, carrément. Donc ça fait faire un bond énorme. Bien. Et avec Claire, justement, tu passes pas ici pour utiliser les 4 prises. Mmh. Parce que Claire, en fait, elle a des pierres. D'accord, qui remplacent ces qui lignes-là. Remplacent les prises, mais grosso modo, c'est quasiment la même chose. Oui, parce qu'en gros, dans le scénario de Claire, les énigmes sont un peu différentes, mais ça respecte oui, quand même la logique d'avoir un gros item. Là, on voit Ben qui prend cher. Ouais. Il a.
La cinématique, franchement. C'est peut-être aussi bien de l'avoir ouais, passé. Ouais, ouais, franchement, ouais. D'accord. Parce qu'en fait, il y a... Quand tu descends du conduit d'aération, t'entends ouais. « Non !» Mais Léon, il fait quoi ? Et en fait, tu vois qu'il y a William Birkin qui met un embryon dans le corps de Ben. D'accord, oui. Et si tu veux, il sort de sa cellule, alors que lui, il voulait y rester, tu vois. Et une fois que t'es devant, t'as sa cage thoracique qui s'écarte comme ça, et t'as la bestiole qui sort. Un peu à la Brain Dead. Un peu à la Brain Dead. Ouais, ouais, d'accord. Bon. Survival horror, hein. Ouais. On est dedans. D'ailleurs, cette bestiole-là, elle va grandir. Ouais. Et on va l'affronter tout de suite. Ah, d'accord. Donc elle grandit très vite, alors on peut le dire. Ouais. Ok. Un peu comme les aliens. Ouais, un peu, ouais. Ouais, il y a pas mal de petites ressemblances d'ailleurs. Des références, sûrement. Ouais. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. C'est des codes du film d'horreur, je pense, ouais, hein, ouais. De toute façon. C'est vrai que les cinématiques sont très très bien ouais. orchestrées, hein, de toute façon. Donc là, on le voit muter et tout. Là, c'est le premier boss, donc. Ouais. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu de boss. Il n'y a pas eu de boss. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ouais. quand ils sont là, tu les sens passer quand même. Donc là, t'es au magnum, du coup, là ? Ouais. Parce que le fusil à pompe, je le réserve pour les zombies. D'accord. Et là, c'est bam, prends ça par derrière, comme un gros lâche. Tu tires dessus au magnum. Et il bouge pas plus que ça, lui Bah, normalement, il se lève un peu, il avance vers toi, il te D'accord. donne des coups de tête, il te gerbe des petites bestioles dessus. Ouais, voilà, j'ai vu ça. Tu essayes ouais. un peu de t'emmerder. Ouais. Ça fait très alien, ça aussi. Hein. Ouais. Et là, ça y est, du coup, tu l'as battu ? Donc là, je l'ai battu, ouais. D'accord. Il faut savoir que t'es obligé de le battre pour pouvoir passer. Ça a duré 10 secondes. Ok, très bien. Donc ça c'est le fait de lui avoir juste tiré deux balles, de tout de suite être mis derrière ouais. lui, du coup c'était ça la technique ouais. Bon après, pas forcément, j'aurais pu lui tirer de loin, mais c'est pour être sûr de voir qu'il est bien mort. Mm. Parce qu'en fait, de là où j'étais, de mon angle de vue, on voyait pas s'il était juste par terre ou s'il ouais. était mort. Est-ce que t'es plus puissant quand t'es plus près, ou c'est la même non, chose que tu tires à 10 mètres ou 1 mètre c'est pareil, sauf ouais. au fusil à pompe, quand t'es plus près, le zombie va me caler d'un coup, mais d'accord. le magnum c'est pareil. Là t'as vu, c'est une porte qui raconte des blagues. XDR. Oh bah alors ça, XDR. Ouais. Et là c'est marrant quand tu passes avec Claire, parce qu'en fait elle a pas Ada avec elle, elle a la fille du professeur là qui fait le oui, virus. Tout à fait, ouais. Et elle passe dans une bouche d'aération. D'accord. Donc tu vois Claire qui marche tranquille et tout, et d'un coup t'as la gamine qui fait Aaah! Et l'autre elle okay. fait voler. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, on n'est plus d'ailleurs dans le commissariat. On n'est plus dans le commissariat, on est dans la partie des égouts. Partie des égouts. Et là, on va incarner Ada à nouveau. D'accord. Mais partie des égouts qui est étrangement reliée quand même au commissariat. Ouais. Comme la maison dans le 1, en fait. Ouais, ouais. C'est bizarre tout ça. Mm. Donc en fait, Ada se fait tirer dessus par Annette, ouais. qui est la femme de William, ouais. le créateur du virus. Ouais. Et en bon flic et en bon américain, il saute, Léon, il fait non, non. Et bam, il se prend une balle. Et donc Ada elle l'abandonne quoi. Mais enfin, elle dit va revenir quand même. Ouais, non, parce voilà. qu'en fait elle dit que il faut à tout prix qu'elle suive cette femme parce qu'elle cherche son petit ami. Mm. En fait, attention spoil, pas du tout en fait, on a rien à foutre de son mec, c'est juste parce qu'elle travaille avec Wesker et que. Ouais, d'accord. voilà. C'est un spoil de connaisseur, donc ouais, ça, voilà. ça passe. Bah ceux qui ont fait le 4 le savent. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on mettra un avertissement de toute ouais, façon. Ouais. Attention. Donc là, qu'est-ce que tu cherches en fait avec... Bah, en fait, avec Ada, j'ai juste à passer ici. Ouais. Parce qu'en fait, elle raconte Annette qui explique comment tout s'est déroulé. Ouais. Parce qu'en fait, dans la cinématique où tu vois William muté, tu vois les UBCS se faire tuer. Donc les UBCS, c'est les mecs comme Hunk. Mm-hmm. Tu vois les quatrièmes survivants. Ouais. Et en fait, tu vois qu'ils ont les mallettes de virus T. Et William, vu qu'il comprend plus rien, bah, il pète avec son pied, il écrase les capsules. Les virus. Ouais, voilà. Et le rat, t'as des rats qui bouffent le truc. Bah, voilà. D'accord. Pareil, c'est une belle cinématique. Ouais. Ouais. D'ailleurs, dans Resident Evil Outbreak sur PS2, il y a une très très belle cinématique d'intro qui te résume tout ce passage-là. D'accord. Alors, moi, j'ai mis pause pour zapper la cinématique, j'ai appuyé. Ouais, t'as appuyé une fois de voilà. plus, d'accord. Ouais. Oh, c'est classique ça. Ça arrive. Ça a pas duré trop longtemps. D'ailleurs, tu viens de parler à l'instant du quatrième survivant. Est-ce que ouais. tu peux dire exactement ce que c'est ? Alors, en fait, c'est un mode bonus ouais. dans lequel tu es dans le commissariat. Dans Resident Evil 2. Dans Resident Evil 2, ouais. Une fois que tu finis le scénario A et B en classement A, ouais. c'est-à-dire sans sauvegarder et tout ça. Donc, sans sauvegarder, en utilisant peu de spray. Enfin, en sauvegardant 3 fois maximum. 3 fois maximum, d'accord. Sans utiliser de spray. Ouais. Et donc, en fait, c'est un mode.
mode battle en fait. Ouais, d'accord, c'est un mode qui dure pas longtemps, c'est ça? Il dure pas longtemps, mais crois-moi que si tu veux le faire, t'as intérêt à y passer des heures. Ouais. Moi j'ai abandonné, pardon. Vraiment survival, ouais, ouais un mode survival. La dernière pièce du jeu, t'as 10 zombies dedans. D'accord. Et t'as que 2 soins pour toute la partie. Et il me semble même que si tu le fais en très très peu de temps, tu débloques le tofu survivant. Alors, je ne sais pas si tu l'as débloqué. Oui, je l'ai débloqué, ouais. Mais pour le débloquer, en fait, il faut finir le scénario AB. Donc Léon A, Claire B. Ouais. Claire A, Léon B. En ranking A. D'accord, ok. Donc tout le jeu ranking voilà. A, ouais. Alors tofu, il court un peu plus vite, mais il a qu'un couteau. D'accord. Voilà, donc. On verra peut-être quelques images. Peut-être. Et ça, tu veux t'essayer justement de le finir Ouais, un petit peu. C'est plus anecdotique qu'autre chose. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, on voit que j'ai viens d'utiliser la manivelle. Oui. Là, fait la. Le volant, là, ouais, qui fait un bruit bizarre. Pour le tourner, là. Ah, ouais, oui, ouais. C'est vraiment des bruitages de merde. Ouais, on l'a entendu. Voilà, donc je l'ai gardé depuis le début du jeu dans l'inventaire. Exactement, ouais. Pour pas aller dans un coffre. Ça t'économise, ouais, voilà. Le temps de l'ouverture du coffre. Déjà, aller dans la salle où il y a les coffres. Aller dans la salle. C'est les salles de repos. Donc là, on arrive dans une partie du jeu où, franchement, je fais plus attention aux munitions, je prends tout ce qu'il y a dedans. D'accord, parce que là, ça devient chaud, ouais. Justement. Ça devient un peu plus chaud. Il y a le laboratoire à côté. Et surtout, t'as des affrontements contre des boss. D'accord. Et là, c'est un passage qui en a fait criser plus d'un. Qui est en fait un boss, qui est l'alligator géant. L'alligator géant, ouais, tout à fait. Légende urbaine très connue d'ailleurs, ouais. Hein, les alligators dans les égouts. Et en fait, ça va être un scénario semblable aux dents de la mer. Ah, d'accord. Tu sais, la bonbonne de gaz et ouais, tout. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et ben, donc là, t'attends qu'il vienne, du j'attends coup. Qu'il vienne et. Là, on est censé avoir super peur. Ah bah, d'habitude, là, tu vides ton chargeur. Ouais, en plus, voilà. Il meurt pas, cet enfoiré. Ah ouais. Et même au lance-roquette, tu peux pas l'avoir. Voilà, et là, donc, t'as juste attendu qu'il arrive. Coup, ouais. Bien sûr. Ouais. Alors, j'aurais pu utiliser le pistolet, parce que j'ai fait ça dans ma partie de Claire. Ouais. J'ai utilisé le pistolet, ça suffit, et il a la tronche qui éclate. D'accord, ok. Mais bon, ça a pris de la place dans l'inventaire. Et puis. Oui, puis c'est classe, le coup du boss qui arrive, ouais, tu bouges pas. T'attends qu'il se tue lui-même, en fait, quasiment. Ouais. Je crois qu'avec Claire, je fais un tour sur moi-même, d'ailleurs. D'accord. Comme t'as fait pas MGS, dans MGS3, quand t'étais sous le lit de. Ah oui, d'accord, oui. Quand t'as du temps à tuer, ouais. Des fois. Hein. Ça, voilà. C'est. Et là, normalement, quand t'es un peu en mauvaise posture, il y a Ada qui te soigne. Et en fait, justement, tout à l'heure, j'ai utilisé une herbe verte et je me suis dit, merde, en fait, il y a Ada qui me soigne, donc ça m'aurait économisé une herbe verte. Ouais. Mais bon. Bon. Voilà, 3 secondes de perdu. Oui, voilà, ça, t'aurais gagné 3 secondes. Peut-être que mis bout à bout, si vraiment tu fais une partie parfaite, t'aurais peut-être gagné une minute là pour l'instant depuis le début. Non, même pas. Non, même pas. Non, en même fait, pas. J'ai fait le jeu sur Dreamcast aussi. Ouais. La version Dreamcast qui est un copier-coller de la version PC. Ah oui. Quand tu rentres dans le menu pour configurer ta manette, il y a marqué configuration du clavier. Ah oui. Bah, tu peux peut-être. Tu sais, il y a un clavier pour Dreamcast, peut-être que tu peux jouer avec. Franchement, acheter le clavier de House of the Dead pour. ça vaut pas le coup. Non, je sais pas. Non, c'était pour Phantasy Star Online. Oui, mais il y a aussi un jeu de. Typing of the Dead. Ouais, ouais, Typing of the Dead. C'est sorti sur Dreamcast, ça. Il me semble que c'est sorti sur Dreamcast. Ah, d'accord, ok, je ne savais pas. Enfin, je crois. Ouais. Ouais, mais franchement, jouer au clavier, c'est pas ergonomique. Ouais, et puis ça paraît plus logique qu'ils auraient justement pris la version PC. Ouais. Ça, on ne saura jamais, hein, je pense. Légende urbaine, décidément. Voilà. Mais c'est impressionnant de voir le nombre de supports. Je t'écoute 2 secondes. Ah oui, vas-y. Là, tout à l'heure, j'ai pris le médaillon argenté. En fait, j'aurais pu le prendre ici. Parce que je passe devant, donc en fait, j'ai perdu 10 secondes ici. Ah ouais, d'accord. Voilà. T'as fait un détour pour rien. Quoi. Pour rien. Mais en fait, je m'en suis rendu compte juste après. D'accord, ouais. Et donc, ouais, tu disais la version de Resident Evil 2 sur beaucoup de supports. Oui, c'est ça, ouais, quand même. On est sur PlayStation, N64. PlayStation, Nintendo 64, version très très rare, la version 64. Ouais. Ouais. Elle est rare. Moi je l'ai pas. D'accord. Hein. Version PC. Version PC, GameCube, version GameCube. Très très rare aussi. Dreamcast. Dreamcast. Et ils l'ont fait même aussi sur une console. Sur PS2 aussi il est sorti. Non. 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 Non, d'accord. Je l'expliquerai. Ok. Ils ont sorti une petite console en noir et blanc là, qui est pas connue pour un sou, qui coûte très cher. Ouais, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est ce truc. D'accord. Et en fait, t'as le jeu en 2D, en noir et blanc. Ok. Mais c'est une console Sony ou Non, c'est une console, elle doit être coréenne, un truc comme ça. Ah d'accord, la Wonderswan.
Non, même pas. Okay. Non, c'est une console, il y a 4 jeux dessus. Ah ok, d'accord. Bah... Donc elle est super chère, elle est à 150€. Engage Non, même pas. Okay. C'est une console, tu sais pas ce que c'est ce truc. D'accord, bon, on voilà. essaiera de retrouver ça. Et donc, qu'est-ce qu'on disait déjà? Eh ben, le jeu. Donc ouais. Là, te voilà donc dans un avec Ada, donc. Ah, il y avait un truc qu'on devait dire, mince. À propos du médaillon, donc t'avais fait un détour de 10 secondes à peu près. Je sais plus. Tant pis. Ça va revenir. Ça va revenir. Alors là, un passage aussi où j'aurais pu garder le pistolet. Ouais. Parce qu'en fait, il suffit juste de donner, d'attaquer le boss pour que... Alors là, il y a un boss, mais il est où? Voilà. Ben, en fait, il est sur le toit du téléphérique. D'accord, on voit juste la griffe. Ouais. Il apparaît toujours au même endroit? Non, ou... alors justement, il faut le feinter. D'accord. Donc, par exemple, tu te mets à un endroit précis, tu vois la poussière qui tombe. D'accord. Et là, tu sais qu'il va mettre son bras. Mais là, genre, le dernier que t'as fait, t'étais quasiment sous la poussière. Comment ça se fait que tu te sois pas fait toucher Ok. Très bien. Voilà. C'est la classe, c'est ça? Voilà. Ok, très c'est bien. C'est la classe. Ça me va. Et là, une énigme sympa aussi, enfin, énigme. Normalement, t'as un lance-fusée et tu utilises ton briquet pour lancer une fusée. Ouais. Et tu vois un truc qui clignote. Et là, en fait, c'est la clé du casier-arme. Parce que dans le laboratoire d'Umbrella, tu as les pièces du magnum. D'accord. Donc tu peux améliorer le magnum aussi. D'accord. Voilà donc pour cette première partie du run de Resident Evil 2. La prochaine fois, nous verrons le labo d'Umbrella, enfin. La fin du jeu. Les customisations d'armes, puisqu'il y en a. On verra aussi les différences qu'il y a avec le scénario de Claire, puisqu'il y en a quelques-unes aussi. On verra pas le run entier, mais on verra quelques différences comme ça. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain Super Play dans 2 semaines.